continuer donc dans la keynote tech. On a essayé d'aborder un peu l'ensemble des thématiques du track dans la keynote. On accueille donc maintenant, qui est déjà monté sur scène, Hervé Leclerc d'Alterway, qui va nous parler de retour sur DevOps et Cloud. Bonjour à tous. Donc l'idée de cette petite présentation, en fait, c'est de vous faire un retour d'expérience sur le mariage de ces deux thèmes chez Alterway. Donc un rapide rappel de qui est Alterway. En fait, Alterway, c'est un opérateur 100% open source. Qui a plusieurs activités, notamment du build, une grosse activité de build. Et cette activité de build, en fait, est mise en run sur du cloud computing en interne et aussi sur des IaaS externes. Donc, en fait, pour pouvoir faire tout ça, on a besoin de... C'est un très, très vaste sujet. En 15 minutes, aborder, en fait... le DevOps sur le cloud, c'est donc je vais essayer de simplement partager en fait cette vision qu'on a chez Alterway et comment on l'a mis en place. Donc en fait, je vais essayer de vous expliquer comment on marie en fait DevOps avec le cloud. Donc j'ai pas flouté les images, hein, ce sont c'est du public, donc en fait il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc en fait c'est essayer de vous donner en fait les clés du succès qu'on a utilisé à Alterway pour pouvoir faire ça. Donc moi je suis un tech, je suis directeur technique, mais en fait ce qui se passe c'est que on s'aperçoit en fait que le DevOps et sa déclinaison sur le cloud en fait c'est majoritairement de la culture. En fait, ce n'est pas du tooling, on n'arrive pas simplement en utilisant des outils à faire ça. Donc, pour ça, en fait, la base, c'est la culture de la collaboration. Chez nous, en fait, on a suivi un cycle qui, je pense, a été se répète dans beaucoup d'entreprises. En fait, on avait un vrai antagonisme entre les devs et les ops. Et en fait, on a travaillé, et c'est vraiment un travail de très très longue haleine, et c'est un travail permanent. Généralement, on a besoin de coach pour pouvoir organiser ça, pour insuffler cette culture de la collaboration, notamment pour réduire tout, le moteur qui est la réduction du time to market. Donc nous, par exemple, chez nous, on a essayé de faire du zéro mail. On a fusionné en fait les open space pour pas qu'il y ait de cette dichotomie. Et on arrive maintenant à avoir vraiment un échange d'informations entre les devs et les ops de cette manière. Voilà. Ensuite, ça passe par une chose très très importante aussi, c'est la culture de l'agilité. Et pour ça, en fait, il faut vraiment que les teams agiles en fait comprennent ce qu'ils font en termes de qu'ils comprennent leur travail en termes de temps et surtout de valeur, c'est-à-dire pour pouvoir phaser facilement et organiser leur travail. Donc ça c'est très important. Donc tout ça pour prioriser le travail. Prendre le temps de réaliser ces sprints, parce que ça c'est aussi une tâche hyper importante. Et la chose la plus importante et qu'il faut mettre en valeur, c'est de montrer vraiment son travail. C'est-à-dire que chez nous, on a arrêté en fait les outils électroniques pour faire du backlog. On s'est rendu compte qu'en fait, ce qui était important, c'était de partager aussi avec nos clients. Ça, c'est très important. Donc en fait, tous les backlogs, en fait, ce sont des murs de tickets. Et comme ça, on est fiers de montrer en fait notre travail à nos devs, à nos ops, et il y a un vrai partage d'informations à ce niveau-là. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est la culture de l'implication. Donc ça, c'est chez nous, en fait, au-delà,
les équipes, en fait, sont impliquées dans le produit et non pas simplement dans le projet. Donc ça, c'est très important. Ils ont une vision déjà globale de ce que va être le produit et après, pour pouvoir se focusser un peu mieux sur le projet. Et ce qu'on insuffle aussi, c'est avoir des retours d'expérience de la production. Donc ça, c'est hyper important. Avoir du partage d'informations de la production sur les équipes de dev. Hein, on retombe sur les slides d'avant avec la communication à outrance. Ça c'est vraiment très, très important. Et c'est comme ça qu'en fait, les devs sont vraiment impliqués dans le process de business. Donc, pour pouvoir faire ça, en fait, on a des solutions. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que maintenant, en fait, on modularise, on découple complètement les applications, parce qu'en fait, on tend vers des applications qui sont complètement indépendantes du socle où elles vont être déployées. Donc, en fait, on va vraiment morceler cette application et pouvoir en fait la déployer soit sur un data center, soit sur un cloud Google, un cloud Azure, un cloud que sais-je. Et ça, c'est important de ne plus avoir en fait, on a des représentations d'applications complètement différentes du socle sur lesquelles elles s'exécutent. Ça, c'est super important. Donc, on tend vers ça. Ce qui est le à mon sens, une des choses les plus importantes, c'est d'avoir en fait des retours de métriques et des retours de métriques qui veulent dire quelque chose en fait. Elles doivent être partagées, c'est-à-dire que la production va mettre à disposition ces métriques-là et ça va être souvent des métriques métiers, c'est-à-dire en fait nos équipes de dev, ils ont absolument aucun intérêt à savoir qu'il y a eu un pic de charge à telle date. Par contre, savoir qu'une page a mis un certain temps à se charger ou que sur un pipeline de commandes, on a des délais qui sont inacceptables, ça c'est bien pour pouvoir faire progresser le travail. Il y a d'autres indicateurs qui sont hyper importants, c'est les indicateurs d'utilisabilité en fait. Si on voit qu'une fonction n'est pas utilisée, en fait, c'est important pour le développeur. On n'aura pas besoin en fait de faire des améliorations sur cette fonctionnalité. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est d'innover en permanence. Quand on voit, par exemple, sur la présentation d'avant, en fait, sur ce qu'on est capable de faire. Donc, pour piloter en fait cette extrême élasticité en fait des infrastructures, la possibilité de déployer en l'espace de quelques secondes des milliers de microservices pour pouvoir avoir une réponse à des pics de charge. Donc, il faut être tout le temps dans une culture d'innovation. De ne pas avoir peur d'essayer de nouveaux concepts, et ça, grâce au cloud. Donc, un des éléments les plus importants, en fait, c'est de pouvoir en fait, faire du déploiement en continu et de délivrer des releases très rapidement. En fait, quand on morcelle en fait, des applications sous forme de microservices ou de micro-fonctionnalités, en fait, on est capable de faire en permanence du déploiement continu. Parce qu'en fait, on va simplement, s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, on va pouvoir faire un rollback très très rapidement, mais juste sur cette micro-fonctionnalité. Par contre, si on a en fait, à chaque micro-fonctionnalité, on a une nouvelle version de l'application en dev. Donc ça, c'est... Alors ça, c'est aussi très important, notamment les technologies de container, Google ou Docker permettent de faire ça. C'est d'avoir, dès les premières phases de développement, en fait, une vision de ce que sera la prod. Au moment même, le développeur, en fait, va pouvoir avoir les différents composants, alors peut-être pas à l'échelle, mais il aura
l'intégralité des composants qui s'exécuteront de manière simple dans des conteneurs qu'il pourra utiliser ou pas. Voilà. Et surtout, ce qui est important, en fait, c'est que maintenant, vu cette élasticité, cette simplicité, en fait, de provisionner des instances, de déployer des instances sur le cloud, en fait, tous nos ops, en fait, sont dans une culture de l'automatisation et de l'industrialisation de tous les process. On ne peut pas imaginer, en fait, qu'il y ait d'acte manuel maintenant sur le cloud. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le DevOps qui fait que le cloud a un tel essor, ou est-ce que c'est le cloud en fait qui fait qu'on est obligé d'avoir des équipes DevOps les plus efficientes possibles? Voilà. Alors là, je tiens à remercier Xebia parce qu'en fait, ils ont fait une superbe table périodique des différents des outils qui permettent de réaliser toutes ces tâches. Donc en fait sur cette table vous avez tout un tas de des solutions open source ou non, mais en fait on voit que la répartition et le coût, on a une couverture absolument phénoménale de tous les pans qui vont nous permettre de faire du DevOps sur le cloud. Voilà, c'était une petite présentation de ce qu'on était capable de faire chez Alterway.